Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite introduction comme ça concernant cette vidéo, hein. Donc cette vidéo, c'est la suite de la vidéo précédente où je continue à améliorer mon M4 Elite. Et juste en fait que j'ai eu un problème au niveau de l'enregistrement pendant les 50 premières minutes environ. Vous aurez pas de son, malheureusement, car en fait un jour avant ou un truc comme ça. J'ai eu un de mes pilotes de ma carte son externe qui s'est mis à jour. Et du coup, je sais pas d'où venait ce pilote, mais il a fait complètement de la merde. Il a renommé le périphérique et tout. Et du coup, ça a, entre guillemets, réinitialisé les paramètres son du logiciel de capture, chose que j'avais pas vue. Et du coup, je m'en suis rendu compte que bien après, quand j'avais terminé la première partie de l'enregistrement, comme j'avais fait ça en plusieurs fois, quoi. Donc du coup désolé s'il n'y a pas de son, bon c'est pas très grave, il n'y a pas énormément de son dans X3, mais c'est vrai que c'est un peu dommage, donc je vais essayer de voir si je peux pas mettre une musique en fond du jeu et un truc comme ça. Non, désolé quoi. Donc on se retrouve à la fin de la vidéo pour le petit bilan.
Picard. La dynastie Split souhaite la bienvenue à bord à tous ses bons amis. Missile moustique. La soute contient maintenant missile moustique. Xenon M. Xenon N. Xenon. Xenon M. La cible est maintenant à portée de tir. Pas de cible. Astéroïde. Missile feu sauvage. La soute contient maintenant missile feu sauvage. Missile blanche d'âme. La soute contient maintenant missile blanche d'âme. Missile blanche d'âme. La soute contient maintenant missile blanche d'âme. Vous entrez dans Donjon patriarcal. Puits d'extraction de minerais. L. Alpha. Vous êtes en communication. Toi, cherche. Il y a du travail pour vous. Vous trouverez sans doute cette mission.
transporteur de matières dangereuses. Du duc. La cible est maintenant à portée de tir. Vaisseau Split, aidez maintenant. Subit tir, amenez vaisseau à la bataille. Attention, niveau d'énergie faible. De production, bouclier léger, Alpha, Xenon, N, Xenon. La cible est maintenant à portée de tir. Missile lance-feu. La soupe contient maintenant missile lance-feu. Xenon, N, Xenon. La cible est maintenant à portée de tir. Attention, niveau d'énergie faible. La cible est maintenant hors de portée. La cible est maintenant à portée de tir. La soupe contient maintenant missile lance-feu, Xenon L. Plutarque, Nova, Avant-Garde, Split, Scorpion. Toi, chercher Split, j'envoie les données à l'instant. Xenon, L. Split, paiement, mine. Que demandez-vous au Split? Je vous transmets maintenant les informations. Xenon, L. Attention, n'y pas de cible. Missile blanche d'âme. La soupe contient maintenant missile blanche d'âme. Xenon, N, Xenon.
Pas de cible. Portail, deux plaques. Split, contrôle de bordure. Mamba, avant-garde. Portail, deux plaques. Vous entrez dans deux plaques. Réception de messages. Docks d'équipement Teladi. Les docks d'équipement Teladi sont construits. Portail, centre de profit Alpha. Un bouclier 25 mg est habituellement utilisé sur les chasseurs lourds, les vaisseaux cargo et les transports de passagers. Les boucliers sont indispensables à la sécurité dans l'espace. Ils protègent le vaisseau des collisions avec les mini-astéroïdes par exemple et sont également importants durant les combats. Les docks d'équipement Split sont les stations où l'on vient pour mettre à jour ses engins spatiaux. Centrale à énergie solaire. Arrimage autorisé. Pilote automatique activé. Arrimage réussi. Au nom du président CEO, la compagnie Teladi. Votre connexion au réseau de commerce local établi. Instrument de sauce aux charges à 10%, 20, 30. 40, 50%, 60, 70, 80, 90, saut. Vous entrez dans Omicron Lyrae, pilote automatique désactivé. Ces docks sont l'endroit où les argones viennent à mes... Portail, coffre trésor. Vous entrez dans coffre trésor, puits d'extraction de minerais. L, Alpha. Mm-hmm.
station commerciale. Vous êtes en communication. Quelle mouche vous a piqué? Heureux de vous entendre. Maintenant, voici les informations. Portail, soleil noir. Argonne, militaire. Prototype, centaure lourd. Teladi, marchand d'armes. Portail, soleil noir. Argonne, militaire. Centaure lourd. Vous entrez dans Soleil Noir. Station commerce. Une station spatiale Argonne typique. Avant-poste. Cet avant-poste sert de base d'opération distant pour des vaisseaux militaires. Des. Vous êtes en communication avec. Je peux faire quelque chose. J'ai quelques. Transfert des informations. Portail, voyage de Nathan. Vous entrez dans Voyage de Nathan. Portail, secteur inconnu. Usine d'armement, Alpha. Pirate, Buster. Usine d'armement, Alpha. Vous êtes en communication. Quelle mouche vous a piqué? Il y a un boulot? Maintenant, voici les informations. Pirate, Vipère. Pirate, Arié, transporteur. Argonne, transporteur. Pirate, Vipère. Les Split étaient naturellement parmi les premiers à développer la capacité spéciale pour bombarder. Le Vipère incarne le meilleur des designs de vaisseaux Split et l'efficacité au combat. Thank you.
Usine d'armement. Alpha. Pirate. Vipère. La cible est maintenant à portée de tir. Attention, niveau d'énergie faible. Si vous osez vous attaquer à une installation appartenant à la Fédération Argon, vous ne nous laisserez aucun choix. Split, vous montrez vraie terreur. Ceci est un combat à mort. Au nom de notre président et sénateur, la Fédération Argon... Vous avez fait du bon boulot, vraiment. Je vous vire votre salaire maintenant. Pirates, Arié, Avant-Garde. Portail, secteur inconnu. Vous entrez dans... secteur inconnu. Vous entrez dans... voyage de Nathan. Portail, terre perdue. Vous entrez dans Terre perdue. Usine de munitions, Bêta. Portail, étoile de minuit. Portail, intermonde. Argon, militaire, Cerbère. Portail, intermonde.
Vous entrez dans Intermonde. Docks d'équipe. Ces docks sont l'endroit où les Argonnes viennent améliorer leur vaisseau. Ce complexe de production produit des boucliers moyens. Usine de satellites, Alpha. Vous êtes en communication. Vite ton sac, pilote. Bien, juste à temps. J'encode les données pour vous les... Portail, relique sacrée. Arrimage autorisé. Pilote automatique activé. Arrimage réussi. Au nom de notre président et sénateur, la Fédération Argonne souhaite la bienvenue à bord à tous ses amis. Connexion au réseau de commerce local établi. Missile feu sauvage. Vendu. Missile lance-feu. Missile moustique. Vendu. Votre extension de capacité de soute. Installée. Portail, relique sacrée. Vous entrez dans Relique sacrée. Pirate, faucon, pirate, némésis. Centrale à une... Vous êtes en communication. Qu'est-ce qui vous préoccupe ? On nous contacte. Je vous envoie les infos requises tout de suite. Station commerciale Parani. Centrale à une... Arrimage autorisé. Pilote automatique activé. Pirate. Faucon. Pirate. Némésis. Arrimage réussi. Au nom de l'empereur prêtre Tsar, notre duc prêtre vous souhaite la bienvenue à bord. Votre connexion au réseau de commerce local établi. Instrument de saut se charge à 10%.
20, 30, 40, 50%, 60, 70, 80, 90. Saut. Vous entrez dans collusion du patriarche. Pilote automatique désactivé. Les docks d'équipement Split sont les stations où l'on vient pour mettre à jour ses engins spatiaux. Ce complexe de production produit des boucliers lourds. Portail, fausse souveraineté. Cet avant-poste sert de base d'opération distant pour des vaisseaux militaires, des pilotes. Centrale à énergie solaire, L, Alpha. Les docks d'équipement Split sont les... Arrimage autorisé, pilote automatique activé. Arrimage réussi. Gloire à la famille Roncar. La dynastie Split. Faute connexion au réseau de commerce local établi. Un bouclier 25 mg est habituellement utilisé sur les chasseurs lourds, les vaisseaux cargo et les transports de passagers. Les boucliers sont indispensables à la sécurité dans l'espace. Instrument de saut se charge à 10%, 20, 30, 40, 50%, 60, 70, 80, 90. Saut. Vous entrez dans Oasis, pilote automatique désactivé. Complexe de production, bouclier moyen. Ce complexe de production, arrimage autorisé, pilote automatique activé. Vous êtes en communication. Arrimage réussi. La reine Atreus et le paisible royaume Boron vous souhaitent la bienvenue à bord. Nous sommes... Connexion au réseau de commerce local établi. Originellement détournant leur nez de l'étalage des designs multiraciaux des M. Nous n'achetons pas les produits.
Nous n'achetons pas les produits. Portail, secteur inconnu. Vous entrez dans secteur inconnu. Instruments de saut se chargent à 10%, 20, 30, 40, 50%, 60, 70, 80, 90, saut. Vous entrez dans Havre de la Reine. Pilote automatique désactivé. Arrimage autorisé. Pilote automatique activé. Arrimage réussi. La reine Atreus et le paisible royaume Boron vous souhaitent votre connexion au réseau de commerce local établi. Instrument de saut se charge à 10%, 20. 30, 40, 50%, 60, 70, 80, 90, saut. Vous entrez pilote automatique désactivé. Vous entrez dans cercle du travail. Mine de silicium. L. Exploitation agricole. Puits d'extraction de minerais. L. Vous êtes en communication. Vite ton sac. Heureux d'avoir des... J'encode les données pour vous les transmettre. Exploitation agricole. Mine de silicium. L. Alpha.
pirate, Hadès. Mine de silicium, L, Alpha. Vous êtes en queue. Je peux faire quelque chose. Merci d'avoir transféré des informations. Exploitation agricole de blé, L, Alpha. Alerte, missile en approche. Ordre accepté. Pirate, discovreur. La cible est maintenant à portée de tir. Alerte, missile en approche. Exploitation agricole de blé, L, Alpha, Pirate, Discoverer, Avant-garde. La cible est maintenant hors de portée. La cible est maintenant à portée de tir. Au nom de notre président et sénateur, la Fédération Argonne vous remercie de nous avoir aidés à éliminer cet envahisseur. En guise de récompense, vous recevez 500 crédits. Alerte, missile en approche. Rendez-vous de l'autre côté. Exploitation agricole de blé, L, Alpha. Alerte, missile en approche. Pirate, Hadès. Exploitation agricole de blé, L, Alpha. Vous êtes en communication. Laissez-nous vous parler. J'ai les informations. Pirate, Hadès. La cible est maintenant à portée de tir. Étouffe-toi dans mes ordures. Attention, niveau d'énergie faible. Rendez-vous de l'autre côté. Argonne, transporteur biologique, discovreur. Discovreur. Contrôle de l'ordinateur du vaisseau transféré.
Attention, niveau d'énergie faible. Arrimage autorisé. Ordre accepté. Élite. Cette station a été... Station commerciale Argonne. Exploitation agricole de blé. L. Alpha. Portail. Fin des hérétiques. Réception de message. Vous avez gagné en réputation. Vous entrez dans... Fin des hérétiques. Usine de RAM. Elle... Vous êtes en communique. Je peux faire quelque... J'ai quelques... Transfert des informations. Station commerciale Argonne. Station de défense orbitale. Arrimage autorisé. Pilote automatique activé. Discovereur vendu. Argonne, Eclipse. Station de défense orbitale. Arrimage réussi. Bienvenue à bord de cette station terrienne. Connexion au réseau de commerce local établi. Un bouclier 25 MJ est habituellement utilisé sur les chasseurs lourds, les vaisseaux cargo et les trans...
Et donc nous voici à la fin de cette vidéo là, donc on est dans fin des hérétiques, donc je suis prêt à continuer un peu la campagne, donc on va bien voir jusqu'où on va pouvoir aller avec un M4 Elite. Concernant cette vidéo là, donc comme vous avez pu le voir, j'ai pu trouver le dernier bouclier 25 mg, j'ai amélioré un peu ma réputation avec, avec les splits aussi, et dommage que pour le problème de son que j'ai eu, comme vous avez pu le remarquer. Sinon c'est vrai qu'il y a eu, quand même des bons combats et tout quand j'étais par exemple dans force de ronde car durant la patrouille. J'ai failli me faire complètement, complètement exploser, hein. J'avais dû peut-être ma vie d'arriver à peu près ici. Je sais pas comment j'ai fait, vous avez pu voir, il y a eu une bonne action, hein, on va dire. J'ai pris le contrôle de la tourelle, j'ai commencé à détruire le missile qui me suivait. À tirer sur les vaisseaux qui me suivaient, sachant qu'ils étaient beaucoup plus rapides que moi, hein, des chasseurs M5 si je me souviens bien, enfin il y avait un peu de tout. Et je me suis rapproché de la frégate, hein, le Tigre, enfin qui me protège avec ses armes lourdes. Et j'ai vraiment eu un gros coup de bol sur ce coup-là, hein, tout simplement. Du coup c'était bien sympa. Et après, quand j'ai acheté les boucliers 25 mg, et du coup je me demande où est passé le bouclier 5 mg que j'avais, donc je sais pas si c'est peut-être fait détruire pendant un combat, c'est possible. Et vous avez vu que ce vaisseau là, le M4, il peut être équipé de deux boucliers 25 mg. Donc moi je n'ai pris un supplémentaire, il n'est pas équipé, hein, mais disons que j'ai anticipé le coup quand je passais sur un M3 par exemple, un chasseur lourd. Au moins je vais avoir trois boucliers disponibles, parce que vous avez vu que c'est un peu chiant des fois de trouver une station ou un dock d'équipement avec des stocks. Du coup j'ai anticipé le coup. Et j'ai également pu récupérer un moteur de saut, ce qui est pas mal, ça vous fait économiser du temps et tout, même si je peux pas stocker beaucoup de photopiles dans le M4, mais bon, en fait le moteur de saut fonctionne aux photopiles, quoi, hein. Donc, par exemple là je suis en fin des hérétiques, si je veux aller dans sauter dans le cercle travail, ça va me coûter peut-être 5 ou 10 photopiles, quoi. Après si je veux sauter dans l'Élysée de la Lumière ça, ou dans le coffre au trésor, ça va m'en coûter 30. Plus vous allez loin, plus ça va vous coûter un photopile. Sachant que le moteur de saut coûte dans les, si je me souviens bien, 90 à 100 000 crédits si ce n'est pas plus, et il est disponible que dans 2 ou 3 stations, quoi. Du coup ça c'était un bon coup de chance, une bonne surprise, ça va me servir plus tard aussi. Et quoi d'autre encore, c'est vrai que la dernière patrouille que j'avais faite c'était Cercle du Travail, hein, je crois. Et vous avez pu voir que la patrouille pirate était composée d'un bombardier, donc vaisseau de classe M8, hein, donc c'est un Hades. C'est un vaisseau qui est super stylé niveau design et tout. Donc les bombardiers, eux, ils sont équipés uniquement de missiles en tant qu'arme principale, donc le missile Tomahawk, donc c'est un missile nucléaire, quoi, hein. Et je me rappelle la première fois que j'avais utilisé un bombardier pour tester, je m'étais explosé avec, hein. J'avais détruit en un coup une corvette et j'étais tellement près que j'avais explosé aussi. Du coup, comme le M8 était escorté de M5 et de M4, vous avez vu, il a tiré son premier missile Tomahawk. J'ai mis ma tourelle en mode anti-missile au cas où, quoi, histoire de pas trop penser aux missiles qui arrivent. Et je me suis mis derrière l'astéroïde justement pour pouvoir attendre les petits vaisseaux qui allaient venir et les avoir entre guillemets un par un, quoi, ou du moins être un peu plus tranquille. Donc le missile a complètement explosé l'astéroïde, ce qui était assez risqué de ma part, hein. J'avais complètement oublié qu'ils étaient aussi puissants les missiles, et heureusement que j'ai eu à la première passe un chasseur M5 qui a été le pilote l'a abandonné. Ensuite le deuxième a été détruit, et puis après bon bah j'ai pu m'occuper assez tranquillement des autres vaisseaux, quoi. Sachant que le M8 était quand même assez résistant, ils ont 4 ou 5 boucliers 25 mg si je me souviens bien. Et au niveau de l'armement défensif, le Hades il a juste une tourelle tirant vers l'arrière. Bon, même si c'était un lanceur de plasma à haute énergie, c'était quand même une bonne arme avec une longue portée et une bonne puissance. Mais bon, si vous êtes tourné autour, et puis bon, c'est quand même des vaisseaux assez vulnérables. Et voilà, voilà en ce qui concerne cette vidéo là. Donc maintenant, la prochaine vidéo, on va donc s'attaquer à la, comment dire, à l'histoire principale. Hein. Et sinon, voilà. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ça vous a plu.
et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous.